J'ai commencé vers 18-19 ans. Donc c'était très bizarre. J'étais à la fois un étudiant et en même temps un professionnel. C'était un drôle de cheminement. Parce que je pense honnêtement que... Je me demande si on apprend à composer de la musique. Il a vraiment son univers. Et à partir de ce moment-là, c'est très intéressant parce que on s'aperçoit que c'est un homme très libre. Sur la comédie, il ne fait pas une musique premier degré. Souvent, d'ailleurs, sa musique contrebalance la farce. La musique est une chose, le cinéma une autre, et l'un et l'autre peuvent, par chance, se rencontrer. La musique, c'est pas mathématique. Ce sont des maths au début, parce que c'est des chiffres, 1 à 12. Mais ce qui plaît, l'émotion que ces combinaisons de chiffres génèrent, elle n'est plus du tout mathématique. Dans l'enregistrement qu'il a fait, dans la composition qu'il a écrite, il y avait ça. Oh là là, là, là. C'est la mer qu'il faut franchir, les orages qu'il faut passer. Et ça, il l'a traduit. Là, il y a un mélange qui amène au merveilleux. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a à dire avec la musique? Pourquoi? Quelle nécessité on a à écrire? C'est ça qui est important.